tous qui nous rejoignez dans ce nouveau programme qui s'appelle Profondeur. Je vais vous retrouver pour partager, échanger sur la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu et à travers la parole de Dieu. Romains chapitre 11, 33 nous démontre que la parole de Dieu est profonde, elle est riche en sagesse, elle est riche en richesse. Ce n'est pas seulement le fait de lire la parole de Dieu, mais nous devons aller en profondeur, méditer les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu afin de tirer toute la richesse de la parole de Dieu. Nous devons prendre le temps de lire la parole de Dieu afin d'y tirer aussi la sagesse qui peut nous aider à marcher dans notre vie de chaque jour. Oui, nous parlons de la profondeur parce que nous comprenons que dans le siècle dans lequel nous vivons, nous sommes dans les générations, dans une temps de la fin, nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu, nous avons besoin de nous nourrir des Saintes Écritures, de nous nourrir de la pensée de Dieu qui nous a clairement dévoilé et partagé au travers de sa parole. Partager avec vous un merveilleux thème qui, je l'espère, va vous bénir autant qu'il ne m'a béni. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Parce que c'est vrai, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et pour la plupart d'entre nous, nous avons cru que cette prière et notre vie donnée à Christ allaient nous garantir d'une vie sans problème, d'une vie sans difficulté et d'une vie sans combat. Et chaque jour, plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous continuons de vivre sur la terre, nous expérimentons plusieurs difficultés, et j'aimerais qu'avec ce thème, nous puissions être réconfortés, encouragés et édifiés. Alors nous allons lire ensemble trois passages qui vont nous conduire dans notre exhortation. Nous allons lire le chapitre 14 du livre de Jean, le premier verset, Jean 14, verset 1. Nous lirons Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Et nous allons terminer avec le psaume 95, le verset 3. On va suivre la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Oui, c'est vrai, lorsque nous écoutons les paroles de Jean chapitre 14, c'est le Seigneur qui essaie de nous rassurer, et nous avons certainement besoin d'être rassurés chaque jour de notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que la plupart d'entre nous, lorsqu'on nous a présenté l'Évangile, souvent c'était dans des situations où nous étions malades, nous étions dans des combats, nous étions dans des difficultés. On nous a présenté Christ comme celui qui allait nous guérir de nos maladies, celui qui allait nous permettre de nous réconcilier avec nos familles, celui qui nous promettait une vie de victoire, une vie de gloire, une vie de richesse, celui qui nous promettait en fait que tout allait bien se passer dès le moment où nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de gens aujourd'hui se demandent est-ce que ce n'est pas une publicité mensongère ou des promesses en l'air. Parce que certaines personnes ne cessent de dire qu'au contraire, c'est depuis le jour où ils ont donné leur vie à Christ que les difficultés se sont ajoutées ou se sont même aggravées. Depuis qu'ils ont donné leur vie à Christ, ils connaissent plus de problèmes que de paix et de félicité. Alors, quelle est réellement la problématique? Est-ce que c'est ceux qui nous ont annoncé Christ, qui nous ont mal annoncé Christ, nous garantissons qu'en donnant sa vie à Christ, comme une jeune fille ou un jeune homme qui refuserait de continuer à vivre dans la pudicité, il serait garanti du mariage. Nous le voyons aujourd'hui, ils sont mariés, mais nous voyons des couples qui ont craint Dieu, qui ont marché dans la sainteté, dans leurs fiançailles, qui sont pourtant stériles. On voit des jeunes hommes, des jeunes filles qui ont refusé de vendre leur corps ou de se corrompre pour accéder à l'emploi à cause du Christ qu'ils ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et ils font face au chômage depuis de nombreuses années, tandis que ceux qui ont accepté de se plier, ou même les païens, continuent de prospérer. Et ces questions, on doit être honnête avec nous-mêmes parce que l'Église ne nous demande pas de faire semblant d'être dans la joie. Avoir Christ ne veut pas dire de faire semblant d'être dans la paix. Et je pense que le Seigneur, en nous donnant cette promesse, en nous donnant cette déclaration dans Jean 14, savait que nous passerions des situations où nos cœurs seraient troublés. Alors, où est le problème? Est-ce qu'il y a réellement un problème?
Parce qu'aujourd'hui encore, je pense que peut-être vous avez 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la foi. Peut-être vous servez le Seigneur. Peut-être vous vous êtes détourné de grands péchés ou d'une vie qui n'honorait pas le Seigneur. Mais 5 ans, 10 ans après, vous continuez de voir des difficultés, des problèmes. C'est comme si vos géants, vos Goliaths ne veulent pas vous lâcher. C'est comme si ces montagnes ne veulent pas s'aplanir au-devant de vous. Et pourtant, vous persévérez dans votre foi. Vous continuez de marcher avec le Seigneur et vous venez à l'église. Alors, la chose la plus importante que nous devions comprendre, parce qu'il se pourrait que certains évangiles nous sont prêchés comme si nous, les chrétiens, nous étions exempts de difficultés et de problèmes. En fait, il n'en est pas ainsi. La plupart du temps, lorsque nous lisons l'évangile, nous voyons que Christ rappelle à ses disciples, rassemble aux fidèles, que le fait de le recevoir, le fait de marcher avec Jésus, ne nous exempte pas de difficultés. D'ailleurs, nous voyons aussi que la Bible dit que l'esprit de gloire repose sur ceux qui sont persécutés au nom du Seigneur. Donc, le défi dans nos vies ne nie pas l'identité de Christ, ou le défi dans nos vies que nous rencontrons ne sont pas les vrais problèmes. Le plus grand défi qu'un chrétien peut rencontrer dans sa marche avec le Seigneur, je le pense, le premier des plus grands défis est d'arriver à vivre avec Dieu dans une génération perverse et corrompue. Un chrétien qui est là dans sa foi, dans une famille qui ne connaît pas le Seigneur, qui évolue dans un milieu d'affaires, dans un milieu d'emploi ou qui va à l'université, au milieu de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, la difficulté, elle est là lorsque nous devons confronter notre foi, confronter notre doctrine, la pratique de la vie chrétienne aux difficultés de la vie. Et ce sont des défis qui se dressent devant nous chaque jour, des petits comme des grands défis. Certains doivent se battre contre la stérilité, d'autres combattent simplement contre le fait de mentir, d'autres combattent par rapport à un choix des amis avec qui ils peuvent marcher pour persévérer dans la foi. Donc le premier et le plus grand défi que nous rencontrons dans notre vie chrétienne est réellement de vivre avec Christ. Je pense que ça aurait été facile si dès le moment où nous donnions notre vie à Christ, nous étions emportés dans les airs, où nous étions transformés en des anges. Mais malheureusement ou heureusement, nous continuons à vivre dans les chairs et nous devons démontrer notre nouvelle vie chrétienne chaque jour. Le deuxième défi que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur, c'est le défi même de vivre les promesses de Dieu. Peut-être vous me suivez, vous me dites, c'est vraiment ça mon problème, parce que je me pose la question, est-ce que Dieu existe? Ou est-ce que Dieu est capable de faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il nous a promis tellement de belles choses, tellement de bénédictions, tellement de guérisons, parce qu'il voulait juste nous amadouer, juste nous tromper et nous leurrer dans son évangile? Mais aujourd'hui, nous sommes là dans l'attente des promesses. La Bible dit en hébreu même que certains vont saluer de loin des promesses qui leur ont été faites, et je ne pense pas que vous voulez mourir sans avoir vécu vos promesses. Alors c'est véritablement encore une fois un défi d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu, de vivre chaque jour des circonstances qui semblent être totalement à l'opposé ou le contraire même de ce que le Seigneur nous a promis. On n'a pas besoin seulement d'être des païens. Je pense que même dans l'Église, nous rencontrons plusieurs fois des événements, des situations qui nous font poser la question, est-ce que je suis réellement au milieu de chrétiens? Est-ce que je suis réellement dans la foi? Et beaucoup de chrétiens même peuvent vous parler, m'écrivent souvent, me dire, mais maman Blanchie, ou sœur Blanchie, comment est-ce que vous arrivez à marcher dans la crainte de Dieu? Parce que moi, chaque jour, je suis en train de lutter avec un péché, je suis en train de lutter avec la pornographie, je suis en train de lutter avec des mauvaises compagnies, je suis en train de combattre chaque jour, je vais faire des choses, mais c'est le contraire qui se produit. Et d'autres sont en train de dire, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai craint Dieu, ça fait 10 ans, j'ai 35 ans, j'ai 28 ans, je ne suis toujours pas mariée. Ou ce jeune homme qui va dire, j'ai refusé de tricher ou d'aller dans des chemins détournés pendant que j'étudiais parce que j'avais confiance que le Seigneur me donnerait un emploi. Et ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je sers Dieu dans mon église avec fidélité, mais je ne vis pas l'accomplissement de ses promesses. Ce sont là de grands défis, ce sont là des questions qui nous troublent dans notre foi. Et c'est vrai, on nous dit souvent, aie confiance en Dieu, ça va se faire. Mais je pense que ça serait légitime de notre part, ce soir, vous et moi, de nous dire, Seigneur, notre cœur est dans la détresse, nos pensées sont dispersées et nous sommes peut-être même au bord d'abandonner la foi à cause de l'attente de cette promesse qui tarde, à cause de tout ce que nous vivons de contraire, d'opposé par rapport à notre engagement, à notre marche dans la sanctification avec le Seigneur.
Alors ce soir, par rapport à notre thème qui est que notre Dieu est plus grand que tous les problèmes que nous pouvons constater, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais édifier un enfant de Dieu, parce que ce message, je l'adresse premièrement à un enfant de Dieu, et de comprendre que tout défi que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons avoir à faire face dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, tout défi qui vient, qui se manifeste dans notre vie, est un défi qui en fait veut révéler notre identité. Tout défi que nous expérimentons, que ce soit un combat, que ce soit l'attente de l'accomplissement d'une promesse, tout problème est en fait un problème d'identité. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un problème d'identité? Parce que chaque problème qui se manifeste dans nos vies vient en fait révéler à la fois la nature de Dieu pour nous, mais aussi vient nous révéler qui est-ce que nous sommes par rapport au Seigneur. Nous voyons Gédéon qui était un jeune homme, il grandissait dans une famille, il se connaissait comme étant le plus petit de la plus petite tribu, il considérait que pour lui il n'y avait pas grand-chose à faire. Et face au défi des Madianites qui venaient chaque fois disperser le camp d'Israël, il rencontre Dieu dans un moment anodin, face à un défi où il se posait beaucoup de questions, parce que nous le voyons dans la parole de Dieu, lorsqu'il rencontre l'ange, il lui dit « Mais tu me dis beaucoup de belles choses, mais où est ce Dieu-là ? Où est ce Dieu-là dont nos parents nous ont parlé ? Où est ce Dieu-là dont on nous a conté les hauts faits, les prodiges, que c'était un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre ? Mais nous vivons chaque jour des situations contraires où nous sommes oppressés, nous sommes combattus, nous sommes vaincus même, et nous sommes pillés. » Nous voyons plusieurs situations de notre vie où des gens qui craignent Dieu se retrouvent dans une situation avec un défi qui remet en question « Est-ce que réellement moi je me suis donné au Seigneur ?» On a même des gens qui disent « Peut-être que j'avais mal accepté Jésus, que je dois être encore une fois baptisé, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas là le problème. » Je vous rappelle encore une fois que tout défi qui se présente dans votre vie est un problème en fait d'identité. Toute situation qui se manifeste dans votre vie ne vient pas pour vous détruire, ne vient pas pour vous pousser comme la femme de Job à renier Dieu et à mourir, c'est-à-dire à crier « Dieu n'existe pas » et à vous replonger dans le monde ou à retourner aux choses que vous avez vomies. Au contraire, tout défi qui se manifeste dans votre vie vient pour vous révéler vous-même, vient pour vous révéler qui est le Dieu en qui vous avez placé votre foi. Vient pour vous révéler un aspect de la nature de Dieu que vous n'aviez peut-être pas compris en vous donnant au Seigneur. Il y a plusieurs exemples avec lesquels j'aimerais vous édifier aujourd'hui, parce que nous voyons dans notre rencontre avec David et Goliath que Goliath était là chaque matin, il sortait et il hurlait, il lançait ses injures sur le peuple d'Israël. Et Goliath était en face de guerriers puissants, des hommes de guerre, des hommes habitués au combat, habitués à la guerre. Parmi eux, il y avait Saoul, lui-même le roi d'Israël. Parmi ces guerriers, il y avait les frères de David qui avaient été retenus dans l'armée du roi parce qu'ils étaient grands, parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils étaient puissants. David, lui, avait été mis de côté parce qu'il était trop petit. Il était considéré pas comme étant capable d'aller se tenir sur un champ de combat pour pouvoir se battre pour Israël. Et nous voyons que devant ce défi appelé Goliath, les hommes de guerre, les hommes vaillants, ceux qui avaient la force, ceux qui avaient la ténacité, ont été incapables de relever le défi. Est-ce à dire que Goliath était intouchable? Est-ce à dire que Goliath était imbattable? Non. En fait, ce défi Goliath était un défi qui devait juste manifester David, était un défi qui devait manifester à Israël encore une fois que Dieu, leur Dieu, n'était pas un Dieu qui donnait la victoire seulement avec des armes et des guerres, mais avait juste besoin de quelqu'un qui connaissait son Dieu. Et nous voyons que Goliath, qui était un défi qui avait anéanti le courage, avait anéanti le zèle des hommes de guerre, Goliath, le défi face à un David qui connaissait son Dieu, face à un David qui était certain de l'alliance qu'il avait à Dieu, ce Goliath, ce défi a manifesté l'identité de David comme un héros vaillant, l'identité de David comme quelqu'un qui pouvait conduire tout un peuple à la victoire. Nous voyons encore, si vous allez avec moi dans la parole de Dieu, que cette grande montagne qui se dressait devant Israël, mais la Bible déclare, et c'est une parole de réconfort,
que grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Il y a des gens qui vont se retrouver devant les montagnes du chômage qui vont les engloutir et ils vont entrer dans les sciences occultes. Il y a des jeunes femmes qui vont se retrouver devant des montagnes de la précarité, du manque. Et cette montagne va engloutir leur sainteté, va engloutir leur pureté. Elles vont se donner à des hommes, elles vont se donner à des plaisirs. Nous voyons qu'il y a des montagnes qui ont terrassé des hommes de Dieu puissants. La gloire, la recherche de l'argent a renversé des hommes de Dieu qui étaient zélés. Mais en fait, toutes ces montagnes ont révélé la nature de ces personnes. Parce que lorsque la montagne se trouve face à face à Zorobabel, la montagne n'est plus montagne, mais elle est aplanie. Donc le problème n'est pas la montagne, le problème est qui se trouve face à la montagne. Parce que la montagne connaît Zorobabel. La montagne sait que je suis montagne, mais devant Zorobabel, je serai aplanie. Le problème n'est pas Goliath, le problème est qui est celui qui s'avance pour combattre Goliath. Si tu t'appelles David, tu n'as pas peur de Goliath. Si tu t'appelles Zorobabel, tu n'as pas peur des montagnes. La Bible dit que la guerre n'est pas aux vaillants, ni la course aux agiles. Et David démontre que Goliath n'est rien pour celui qui connaît son identité, qui connaît son Dieu. Zorobabel nous démontre encore une fois que les jeunes hommes peuvent se fatiguer et se lasser, mais ceux qui se confient en Dieu. Donc, le problème que tu affrontes aujourd'hui, cette montagne qui se tient devant toi, ma sœur, cette montagne qui se tient devant toi, mon frère, peut-être on va dire, toi tu viens juste de commencer avec le Seigneur, cette montagne a terrassé des hommes de Dieu qui ont fait 10 ans dans le service du Seigneur, cette montagne a terrassé des chrétiens qui étaient plus zélés, plus engagés, dit, il n'y a pas de problème. La montagne terrasse qui elle veut, mais la montagne doit être aplanie devant Zorobabel. Nous voyons encore une fois dans la parole de Dieu la fournaise de feu. Je suis à Kinshasa, je ne sais pas à partir d'où vous me suivez, mais à Kinshasa pour le moment, RDC, nous sommes dans une véritable fournaise. Le dollar monte, la crise politique est partout et je pense que le chômage se trouve dans tous les pays. Aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, quel que soit votre engagement, votre dynamisme et les efforts que vous pouvez fournir, vous allez vous retrouver souvent comme si vous êtes étouffé, comme si vous êtes dans une fournaise où l'argent que vous gagnez à la fin du mois ne suffit même pas pour vos besoins, ne suffit pas pour l'éducation de vos enfants. Vous vous retrouvez étouffé par les dettes, vous vous retrouvez étouffé par les situations. Vous avez un diplôme, vous avez étudié, vous pouvez être à l'étranger en train de nous suivre, mais votre diplôme face aux nombreuses interviews que vous passez, vous n'êtes pas retenu. Alors vous vous retrouvez comme nos amis Meshach, Shadrach, Abednego dans cette fournaise ardente de feu. Mais la fournaise ne peut brûler et consumer que ceux qui ne connaissent pas leur identité. Parce que la fournaise est le moyen par excellence qui révèle que Meshach, Shadrach et Abednego ont un Dieu qui marche avec eux. Nous voyons que c'est au travers de cette fournaise de feu que l'identité de ce Dieu qui nous accompagne, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, apparaît encore une fois. Alors aujourd'hui, est-ce que tu dis, je me sens tellement étouffée, je vais abandonner ces histoires de Jésus, je vais abandonner de servir Dieu, je vais abandonner parce que je suis étouffée par cette vie chrétienne, je suis étouffée parce que je crains Dieu. Il y a des gens qui vont dire, on respire plus depuis qu'on est chrétien, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et c'est là la situation, mais j'aimerais encourager quelqu'un, quelle que soit la situation, l'oppression économique, financière, ça peut être aussi une oppression émotionnelle où nous avons beaucoup de jeunes filles qui m'écrivent, qui me disent « Madame Blanchine, je crains le Seigneur et je veux me marier, mais autour de moi, il n'y a que des hommes mariés qui me font la cour, il n'y a que des hommes mariés qui me font des avances. » Donc, je suis dans une fournaise et je suis étouffée et je suis en train de suffoquer parce que l'âge passe, l'âge avance. La ménopause s'approche peut-être et je me demande, est-ce que le mariage est mon partage? J'aimerais encourager Meshach, j'aimerais encourager Shadrach et Abednego et leur dire que la fournaise n'est pas pour vous un élément de destruction. Pour vous, la fournaise ne vous consommera pas, mais au contraire, la fournaise est l'élément qui va révéler encore une fois votre identité. Alors, nous disons que tout défi est un problème d'identité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans tout ce que nous venons de dire? Je pense que la première chose que vous devez retenir, c'est que tout dépend du Dieu que vous avez lorsque vous faites face à ce défi. Dans Psaume 95, verset 3, nous avons lu que notre Dieu est grand. Il est plus grand que tous les dieux.
Le nom de Dieu qui est révélé en hébreu dans ce passage de Psaume 95, verset 3, est Yahweh Gadol. Yahweh Gadol peut être traduit ou interprété comme le Dieu grand, comme le Dieu aîné, comme le Dieu lourd. C'est-à-dire que moi, petit David, je peux être devant un grand Goliath, mais lorsque je me tiens, moi, avec ce grand Dieu, devant un grand problème, devant un grand défi, mon Dieu est plus grand que mon problème. Lorsque moi, je me retrouve devant une situation, une montagne qui est tellement élevée, mon Yahweh Gadol, le Dieu que je connais, le Dieu que je confesse, est plus grand, plus élevé que la montagne. Donc je peux voir au-delà du problème, je peux voir au-delà de cette situation. Philippiens chapitre 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le défi donc n'est pas un problème. Le problème n'est pas un problème. La question est, quel est le Dieu que tu présentes? Quel est le Dieu avec qui tu t'avances lorsque tu fais face à un défi? Mon frère, devant ce chômage, quel est le Dieu que tu présentes? Devant cette situation, cette maladie qui a perduré dans ton corps, quel est le Dieu que tu présentes? Déclares-tu avec moi aujourd'hui que ton Dieu est plus grand que ta maladie? Déclares-tu avec moi que chômage ou pas, pressé de tous côtés mais jamais réduit à l'extrémité parce que je puis tout par celui qui me fortifie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confesser aujourd'hui qu'il est capable de faire de grandes choses à cause de ce Dieu-là, à cause de l'identité du Dieu qu'il confesse? Paul nous l'a dit, il nous a rassuré, il a dit « Je sais en qui j'ai cru ». Ton défi est là aujourd'hui. Peut-être ça va encore prendre du temps. Je ne suis pas ce genre de prophète qui va te dire que à un clic ou juste en criant trois fois Amen, en faisant trois jours de jeûne, ce problème va disparaître. Dieu peut le faire, mais dans notre marche avec Dieu, il y a certains problèmes qui vont avancer avec nous. Est-ce que tu vas dire avec moi aujourd'hui que la nuit peut tarder, les ténèbres peuvent s'assombrir autour de moi, mais je confesse que je sais en qui j'ai cru, je connais mon Dieu. Quand les ténèbres vont s'apesantir, moi je confesserai Yahweh Uri, l'Éternel qui est ma lumière. La deuxième chose, donc nous venons de dire que tout dépend de ton Dieu. Nous sommes tous chrétiens, mais est-ce que nous avons tous la même perception de Dieu? Est-ce que dans notre vie chrétienne, tu vois Dieu comme le Dieu saint que moi je vois? Parce que la Bible dit que Dieu dans sa sainteté triomphe. Si je connais un Dieu saint, je triompherai du péché. Si je confesse un Dieu saint, je suis une femme, je pourrais être abordée par des hommes et avoir toutes sortes de sollicitations. Mais si je confesse l'identité de mon Dieu comme un Dieu saint, je peux résister à cela. Si je suis dans une situation de pauvreté financière, matérielle, mais je confesse que dans cette situation, comme Paul a dit, paraissant pauvre, enrichissant plusieurs, parce que le Seigneur est notre Dieu. Quel que soit ton problème, retiens toujours ceci, que ton Dieu est Yahweh Gadol. Il est aîné, c'est-à-dire qu'on l'appelle ancien des jours, parce que quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, que ce soit la stérilité, un manque d'emploi, que ce soit un rejet dans ta famille, chacune de ces situations, chacun de ces problèmes, chacun de ces défis, t'as trouvé avec un Dieu qui était déjà en place. T'as trouvé avec un Dieu qui était déjà assis sur son trône, qui régnait déjà depuis l'éternité comme le maître de tout, maître des esprits, maître des temps et des circonstances. Ton problème est donc un problème d'identité. Ton problème est un défi qui dépend de ton Dieu. Tu peux le relever. J'aimerais encourager quelqu'un à affronter sa maladie, à affronter son échec, à affronter son célibat, à affronter son divorce, à affronter la perte de quelqu'un, de quelque chose de précieux, et à dire simplement que toi, problème, tu n'es pas là pour m'engloutir, maladie, tu n'es pas là pour m'emporter, maladie, tu n'es pas là pour la mort, mais tu es là pour servir à la gloire de Dieu. Toi, mon problème, que ce soit même un problème d'un péché qui veut s'attacher à toi, dis à ce péché que tu n'es pas là pour m'emporter dans une vie de péché, mais tu es là pour que tu puisses rencontrer le Dieu saint et le Dieu qui sanctifie ceux qui marchent avec eux. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à comprendre aussi que ton Dieu est plus grand que ton problème, parce que tout problème ou tout défi que tu peux affronter ou rencontrer dans ta vie dépend de la puissance à ta disposition. Je pense que si vous suivez les matchs de boxe, vous allez voir que si vous êtes dans la catégorie poids léger et que vous allez vous battre dans la catégorie poids lourd, ce n'est pas que vous n'êtes pas champion, mais vous êtes dans la mauvaise catégorie. Mais encore une fois,
votre défi dépend de la puissance qui est à votre disposition. On ne va pas à la guerre avec des armes ou un couteau de cuisine. On ne va pas au combat avec une allumette, mais on y va avec des bombes. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, lorsque nous nous trouvons devant un problème, devant un défi, nous sommes rassurés, nous sommes réconfortés parce que nous savons, première chose, que la force dont nous avons besoin pour relever des défis ne viendra pas de l'extérieur. Notre Dieu merveilleux dit ceci à Gédéon, va avec la force que tu as. Il ne lui dit pas va avec la force que je te donne, mais va avec la force que tu as. Et nous l'avons lu dans notre texte d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, à celui qui peut faire au travers de la puissance qui agit en nous. Quel que soit le problème que tu affrontes et que tu rencontres aujourd'hui, la puissance que Dieu va utiliser pour t'en délivrer, pour te secourir, pour t'en faire sortir, n'est pas une puissance qui viendra de dehors. Elle ne viendra pas d'un prophète extérieur, elle ne viendra pas d'une imposition de main, mais elle viendra de ce Jésus qui vit en toi. Elle viendra de ce Dieu puissant et capable que tu as reçu dans ta vie, que tu préserves dans ton cœur, que tu gardes par la foi. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, comme je le dis, que tu as la force, que tu as la puissance. Donc ton problème ne sait pas qu'en s'approchant de toi, il voit juste peut-être un jeune chrétien qui vient de débuter sa foi. Il te voit comme une jeune fille frêle et fragile. Il te voit comme un homme. Tu es un homme comme tous les hommes, donc tu peux tomber dans la pusillanimité. Mais ce problème, ce défi ne te voit pas en regardant la puissance de Dieu qui est agie en toi. La puissance que Dieu a placée en toi en laissant son esprit agir au travers de toi. Nous voyons aussi dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous avons en Ésaïe chapitre 11, verset 2, la Bible nous dit que notre Dieu, l'Esprit de notre Dieu est un esprit de conseil, c'est un esprit de sagesse, mais c'est un esprit de force. Donc la puissance qui agit en nous n'est pas la puissance d'une puissance occulte ou la puissance d'un fétiche, d'une prière, mais c'est la puissance même du Saint-Esprit. Lorsque un défi vient au-devant de nous, et même la Bible nous dit, lorsque l'ennemi viendra au-devant de toi, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui, même si tu as fait des prières mille fois encore, j'aimerais que tu dises avec moi aujourd'hui que mon problème va disparaître devant de moi. L'Esprit de Dieu qui agit en moi va le mettre en fuite. Parce que tout problème dépend de la puissance qui est à ta disposition. Le Dieu que tu appelles Père, le Dieu que tu appelles Seigneur, était Dieu avant que ce chef qui a dit que tu n'auras pas cette promotion tant que lui sera dans cette entreprise, il était Dieu avant lui. Avant qu'on nomme cet homme qui combat ta promotion, Dieu était assis sur son trône et il régnait. Avant que cette situation, cette maladie dont la science peut-être n'a même pas encore trouvé de cure, il y avait ton Dieu qui s'appelle le Dieu qui guérit, qui s'appelle Jéhovah Rapha, il était déjà assis sur son trône. Un problème peut arriver, mais toi tu as une puissance qui était déjà disponible avant que ton problème ne soit appelé problème. Ça peut paraître comme des paroles qui viennent comme des belles paroles, mais j'aimerais que tu te les appropries aujourd'hui, que tu les graves dans ton cœur, que tu dis que je ne tremblerai pas, je ne fléchirai pas, parce que je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je suis de cette génération, de cette race qui tient ferme. La troisième chose avec laquelle nous allons finir, c'est pour déclarer et remporter notre victoire, c'est que tout défi dépend en fait de notre identité en Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous remarquons que plusieurs d'entre nous ne connaissent pas leur identité en Christ. Si tu connais ton identité en Christ, tu vas tenir bon devant même la séduction. À chaque fois que le diable amène un problème dans notre vie, à chaque fois que le diable vient nous voler notre identité par un manque de foi, par un découragement, à chaque fois qu'il te vole ton identité d'enfant de Dieu, qu'il vole ton identité de vainqueur, il vole ta destinée. C'est pourquoi tu dois faire très attention à toute personne qui vient avec toi, au-devant de toi, avec une doctrine, avec une proposition de prière ou de je ne sais quel artifice pour te sortir de défi. Est-ce que ce qu'il te propose te maintient dans ton identité d'enfant de Dieu? Parce que c'est dans ton identité d'enfant de Dieu qu'est inscrit et gravé dans ton ADN ta victoire. Parce que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et tout ce qu'il y a dans le monde, que tu l'appelles chômage, maladie, tu as déjà ce triomphe parce que tu es né de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui tremblent devant les situations de leur vie parce qu'on dit que ce sont des démons, ce sont des combats. Mais quel que soit ce démon, lorsqu'il vient devant toi, il va dire, il faut qu'il puisse dire que je connais
Je connais Blanchine parce que Blanchine, c'est Christ. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui chassent des démons et je pense que les démons leur disent, on connaît le Jésus avec lequel tu nous chasses, mais toi, on ne te connaît pas. Mais si tu es en Christ, ton identité sera même la victoire qui va te donner de résister dans le combat, de résister dans la victoire. Donc retenons-le encore une fois, que tout problème est un problème d'identité et que notre Dieu, qui est Yahweh Gadol, est plus grand que notre problème. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la hauteur de cette montagne, quelle que soit la profondeur des maux qui rongent ta famille, il y a un Dieu qui est plus profond que ça. Il y a un Dieu qui est allé dans les profondeurs pour te faire sortir. Quelle que soit la hauteur des puissances occultes qui travaillent contre toi, il y a un Dieu qui est plus élevé que toutes ces puissances occultes. Quelle que soit la maîtrise du terrain, des démons, de Satan, des opposants de ta vie, tu dois confesser aujourd'hui que ton Dieu est omniprésent. Il est omnipotent. Notre Dieu est plus grand que notre problème. Ne se trouble pas parce que tu as un Dieu vrai. Nous avons un Dieu vrai. Nous avons un Dieu présent. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui s'est révélé pour nous au travers de sa parole, mais qui agit aussi en nous au travers de sa parole. Nous voulons passer un moment merveilleux dans la prière, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de prier sur la parole ou de prier après la parole. Vous avez entendu cette exhortation et nous voulons prier avec vous par rapport aux situations, aux défis qui se dressent devant vous, qui vous tourmentent, aux défis qui vous volent votre paix ou de fouilles, qui vous ont même fait peut-être à un moment poser des questions sur votre engagement, votre vie chrétienne. Mais ce n'était pas ça le problème, comme nous l'avons vu. Aucun des problèmes que vous passez, que vous traversez, les situations que vous traversez, n'est là pour vous anéantir, n'est là pour vous détruire, ou n'est là même pour nier l'existence de Dieu, mais elle est là pour manifester votre identité et pour manifester la nature toute puissante, tout capable de votre Dieu. Nous allons prier ensemble, j'espère que vous êtes prêts pour la prière. Je l'ai dit en commençant cette exhortation, que le message était principalement pour les enfants de Dieu. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, mais qui nous suit au travers de cette exhortation, à entrer avec nous dans cette famille des enfants de Dieu, à passer de l'autre côté. La Bible dit que Christ, si tu acceptes de donner ta vie au Seigneur en suivant cette émission, il va te transporter du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Si tu veux prier, recevoir Jésus, je t'encourage à nous écrire ou à nous contacter après avoir suivi cette vidéo. Nous allons prier ensemble, mais j'aimerais aussi exhorter tout enfant de Dieu qui reconnaît qu'avant de s'engager dans ce moment de prière, il a peut-être quelque chose qu'il voudrait arranger avec le Seigneur. N'oubliez pas, Dieu triomphe pour nous dans sa sainteté. Est-ce que tu es dans une situation qui positionne Dieu d'une manière où il ne peut pas intervenir dans ta vie parce que le péché s'est mêlé de ton affaire, mais tu n'as pas aussi à t'inquiéter parce que ce soir ici, il n'y a personne qui te condamne, il n'y a personne qui te juge et qui t'empêche d'accéder à la grâce du Seigneur. Au contraire, je t'encourage à confesser simplement ton péché, à dire au Seigneur que je reviens à toi de tout mon cœur, de toutes mes forces, et je veux m'engager dans cette prière étant pleinement rassuré que je suis enfant de Dieu et que mon Père dans le ciel va m'écouter. Nous sommes comme Christ en ce moment qui a dit dans sa parole que mon Père m'exauce toujours. Je veux qu'avant que tu pries, que tu sois rassuré que Dieu va t'exaucer. La Bible dit que tu dois croire que tout ce que tu vas demander en priant aujourd'hui, au travers de cette prière avec nous, tu l'as obtenu et tu le verras s'accomplir. Donc nous allons prier pour notre premier sujet. J'aimerais que nous puissions d'abord remercier Dieu, parce que notre identité est l'identité liée à celle-même de Dieu. Nous sommes capables, nous sommes plus que vainqueurs, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent ou de se retirent, parce que nous avons un Dieu saint, nous avons un Dieu capable. Donc nous allons ensemble avec nos amis qui sont présents, adorer le Seigneur avec vous. J'aimerais que quelqu'un bénisse le Dieu de sa destinée, bénisse le Dieu de son engagement, bénis le Dieu de ton salut, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Notre Père, nous te remercions encore une fois parce que tu es le Dieu fidèle en qui nous confions. Tu es le Dieu vers qui nous tournons nos regards. Et la Bible déclare, nous serons ni dans la confusion, ni dans la honte. Seigneur, nous te disons merci parce qu'en ce jour, nous invoquons, Seigneur, ton nom, toi le Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi qui es assis sur un trône qui est immense, toi dont le règne est
puissant. Dieu est capable, oh Dieu, de faire que nous défendions. Oui, nous allons encore une fois bénir notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons accès auprès du trône de la grâce. Nous pouvons nous approcher avec assurance à cause de Jésus, qui pour nous a déchiré le voile, qui pour nous a tracé un chemin qui nous conduit vers le Père. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce, une race élue à cause de Christ. Et j'aimerais que tu dises, je te bénis Seigneur Jésus, parce que toi en moi, je sais que je suis plus que vainqueur. Toi agissant en moi, toi combattant pour moi, toi m'accordant la victoire, toi me rassurant de ta présence, je sais que tout est possible. J'aimerais que tu pries avec moi pour adorer le Seigneur Jésus qui a été meurtri sur la croix, qui a versé son sang, afin que ta maladie recule et reconnaisse que tu n'es pas condamné à mourir de cette maladie. J'aimerais que tu puisses adorer Jésus avec moi, parce que lui qui s'est fait homme, qui a revêtu la chair, n'a pas succombé au péché, n'a pas succombé à l'impudicité, n'a pas succombé à l'adultère. Et c'est ce Christ-là même qui continue d'agir en toi. Nous sommes faibles, nous sommes limités, mais au travers de Christ, nous sommes capables, nous sommes forts. Nous allons alors adorer encore une fois ensemble Jésus. Seigneur Jésus, nous glorifions le Seigneur de nos vies. Toi, par qui tout devient possible, l'Éternel, parce que nous étions loin du Père par nos offenses, par nos péchés. Jésus, tu nous as réconciliés. Jésus, tu nous as rapprochés. Tu nous as trouvé une place dans le cœur du Père. Et c'est à cause de toi, Jésus, que nous pouvons prier avec assurance, parce que tu nous as dit, Jésus, que tout ce que nous demanderions au Père en ton nom, il nous le donnera à cause de toi. Oui, Jésus, si ce n'était pas toi, nous serions encore des étrangers, des gens qui sont morts, mais à cause de toi, nous sommes des héritiers. À cause de toi, nous sommes, oh Dieu, fils Jésus, des enfants de la promesse, Jésus. Nous te disons merci, parce que ce corps n'a pas la vie, soit pour nous. Parce que toi, tu l'as vaincu à la croix, tu as brisé sa puissance, oh Dieu, tu as brisé la puissance du péché, tu as brisé l'oppression du monde, tu as renversé Satan et sa domination. Quel que soit le défi, quel que soit le problème, nous pouvons nous tenir avec assurance et nous dire quel soit tu as vaincu, qu'est-ce qui nous a dit vaincre l'éternel. La maladie ne tient pas autant de toi, Jésus, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes les maladies. Les problèmes et les situations ne tiennent pas, parce qu'à cause de toi, Jésus, nous avons accès aux bienfaits et aux provisions du Père. Auprès des grâces du Seigneur, auprès des bienfaits. J'aimerais que maintenant tu prennes ton défi, que tu prennes ton problème. Ne le regarde pas, regarde à Jésus. La Bible dit que nous devons garder nos regards fixés sur lui. Vois ton problème, mais regarde à Jésus. Et amène ce problème. Nous nous approchons avec assurance. Ne plus pas le prier avec assurance. Prions et disons, Seigneur, je crois que tu es plus grand, mon Père, que mon problème. Amène ce problème et dis, Seigneur, je choisis de te faire encore une fois confiance. Et nous prions pour que Dieu manifeste de grands miracles, de grands et puissants prodiges qui vont décompter les situations qui se sont dressées dans nos vies comme des défis. Prions au nom de Jésus. Père, nous voici encore aujourd'hui de toi, Père éternel. Tu es le même Dieu qui est servi avec David pour terrasser Goliath. Tu es le même Dieu qui a aplani la montagne de Bosse-Robabel. Tu es le même Dieu qui revertit les Césaires. Tu es le même Dieu qui fait sortir de l'eau du rocher, quel que soit les ennemis qui le demandent.
dites, ma soeur, ton problème qui t'a fait pleurer sera le problème qui te fera sourire quand tu raconteras combien Dieu a fait pour toi des grandes choses. Remercions le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui nous entend en prière. Merci à toi, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Merci parce que tu es tellement celui qui entend les cris des détresses de ton peuple. Nous ne sommes pas loin de toi, Seigneur, lorsque nous sommes étouffés dans la promesse. À s'approcher. Tu as raison de croire en Dieu. Tu as raison de te réveiller encore demain. Tu as raison de te réveiller encore après-demain. De dire, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas Dieu. Je ne lâcherai pas ma foi. Je ne lâcherai pas ma crainte de Dieu. Parce que je sais que mon salut est proche. Il est plus proche que le jour où tu as cru. Dieu est avec toi. Et ta solution est avec toi. Croyons que le Seigneur va manifester cela dans les prochains jours et que vous allez partager avec nous les témoignages de ce que Dieu aura fait. Je bénis le Seigneur pour les prières qui sont montées et qu'il va exaucer dans sa bonté et dans sa fidélité. Que le Seigneur nous bénisse pour ce temps de prière. J'espère que ce moment et l'exhortation vous a édifié, vous a encouragé et vous a rassuré que vous êtes un enfant de Dieu et que votre problème n'est pas là pour vous anéantir, mais pourquoi pas vous rapprocher plus de Dieu ou vous faire découvrir Dieu sous un autre angle. Je pense que vous le connaissiez peut-être sous cet angle, mais au travers de l'exhortation d'aujourd'hui, vous avez pu le voir encore sous un autre angle. Nous vous encourageons donc à continuer de porter votre défi, votre problème dans la prière, à continuer de confesser devant vos montagnes que vous êtes un enfant de Dieu, à continuer de confesser dans les temps de maladie, dans les temps d'oppression, que vos ténèbres ne règneront pas toujours et que votre Yahweh Ouri, l'Éternel qui est votre lumière, se lèvera. Nous avons parlé de profondeur et j'espère qu'avec ces thèmes que nous avons partagés ensemble, que notre Dieu est plus grand que notre problème, nous avons pu enraciner un chrétien qui se sentait dérangé, qui se sentait un peu virvolté dans tous les sens à cause des situations qu'il vit. Nous avons pu vous permettre de vous enraciner encore une fois dans votre foi et dans votre espérance dans le Seigneur. Profondeur aussi, parce que nous avons encore pu puiser au travers de l'exhortation d'aujourd'hui l'assurance et la certitude que nous sortirons plus que vainqueurs de toute situation qui se présente devant nous, parce que Dieu ne veut pas notre mort. Les enfants d'Israël avaient pensé que l'Éternel les avait sortis d'Égypte pour les faire mourir dans le désert, mais ce n'était pas le cas. Donc, profondeur, comprends qu'aujourd'hui, au-delà de ton problème, au-delà de ton défi, il y a un Dieu qui veut se révéler à toi, il y a un Dieu qui veut se manifester par toi et manifester la richesse, la gloire de sa puissance et de son secours au travers de la délivrance qu'il veut opérer dans ta vie. J'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez été édifiés et que vous allez nous rejoindre pour notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.